C'est l'intro complètement pété, voilà, je vous le dis tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Boto07, je suis avec... Quand15 non, pas Quand15 les gars, Quand Gamer. Quand Gamer, Quentin, c'est pareil. Oh là, on s'en fout. Ça fait plaisir de revenir sur ce putain de jeu, les gars. Épisode 7, mais on faisait que gueuler. C'est n'importe quoi, on avait les voix de pisseau. On racontait n'importe quoi. Oh là là, mais on racontait n'importe quoi avec nos voix cheloues. Oh là 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 là, c'était... C'était fou. Ah, c'était épique. Donc voilà, nous voici sur Fuite 19, il y a 2 jours. Donc c'est une application qui est toute récente. N'hésitez pas à aller la télécharger. Donc c'est Fuite 19 Draft. Le but est simple, c'est de composer une équipe avec le meilleur collectif, avec des joueurs qui jouent dans le même championnat ou qui ont la même nationalité, pour ensuite simuler des matchs et ouvrir des packs pour essayer de trouver des bons joueurs. Étant donné que sur FIFA c'est quand même compliqué des packs, parce que t'as pas beaucoup de crédit, puis il faut y consacrer du temps hein, quand même à FIFA Ultimate Team. Oh, on commence déjà avec une légende, Véron. Prendre Buffon, mais on va prendre Véron quand même, ça nous fera quand même une légende dans l'équipe. Et on va commencer par... J'ai bien envie Angleterre. Je sais pas pourquoi. Angleterre au pire. Ouais, on va essayer de commencer par l'Angleterre. Avec 2 Réa, on va mettre 3 défenseurs. Avec Boly. C'est pas Basile Boly, non, c'en est un autre. Première ligue, Gary Cahill. Putain, lui, il a 35 ans, 36 ans. Il est vieux. Ça te rappelle pas des souvenirs à la salle avec Minecraft là. Oh là là, c'était énorme pour l'époque hein, franchement. Rachid Ghezal qui a quitté Monaco. Pour l'instant, c'est une draft on n'a pas de gros joueurs hein, à part la légende qu'on a eu là. C'est un peu bof bof. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est des notes à 75. Je me rappelle quand on gueulait animation des paillettes, on veut des Dimitri paillettes, on veut des paillettes. Oh, je me rappelle 86. Bon là on a quand même un 75 hein. Rachid Ghezal, c'est pas ouf. Oh, Alessandrini qui joue avec Zlatan. J'aurais bien pris mais on va prendre petit Arnautovic de West Ham. Putain, franchement pour l'instant c'est pas une équipe très ouais, on va prendre Diogo Jota. On a déjà 100% de collectif les gars. 100% de collectif, alors qu'on n'a même pas fait les rangs. Ça, c'est parfait. Commencer une draft avec 100% de collectif, c'est parfait. Mmh. Wow, on a des légendes, les mecs. Van der Sar, Lloris. Oh, attends, je vais prendre Yashin. Attends, mec, on a déjà deux icônes, 2 légendes dans l'équipe. Oh, Rio Ferdinand. Oh, Rio Ferdinand qui jouait en Angleterre. Eh ben, regarde, mon gars. On a déjà une très, très grosse équipe. Hein. Dele Alli. Dele Alli, malheureusement, je vais pas pouvoir le mettre. Ah si, ça passe. Par contre, là, je suis plus à 100% de collectif. J'essaie de faire remonter tout ça. Première ligue, De Bruyne, je vais pas pouvoir prendre De Bruyne. Je vais prendre Dembélé, tiens. Dembélé. Bah voilà, Rio Ferdinand. Alors, Rio Ferdinand, par contre, il n'est pas du tout à son poste. On va essayer d'améliorer ça. Championship. Ok, on va prendre Podolski. On va prendre un petit peu au pif. Benteke. Ouais, pour l'instant, c'est pas énorme. Hein. Franchement, je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Hein. Raheem Sterling. Ah, pas mal. Raheem Sterling. 95 de collectif. Parce que là, 99. Putain, on a du mal. Hein. Ah, ben voilà, là, c'est bien. Là, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si on le met là, ça passe? Putain, non. On va devoir... Ah, mais non, mais Rio Ferdinand, c'est un défenseur. Voilà, donc on va le mettre là. Kyle, on va le mettre là. Et là, on va mettre Dele Alli avec Dembélé. Et ça nous fait un putain de sang de collectif, les gars. En sang, c'est nickel. Voilà, sang de collectif, c'est nickel. Ok. Bon, là, on va prendre Matuidi hein, au pif. Puisque c'est pas un joueur. Bon là, Colocini, il joue encore au foot? Mais attends, Colocini, c'était le défenseur central de Newcastle sur FIFA 14, FIFA 15.
Colotini, waouh. Putain, mais je croyais qu'il avait arrêté sa carrière, lui. Ensuite, on a du Granit Xhaka, c'est pas mal. Ah ouais, merde. Ouais, en fait, ça nous fait pas augmenter la note, hein. Donc, on va juste le garder. On va juste le garder là. Allez, il nous reste avant-dernier joueur. Oh, Messi 94. Bah ouais, bah, je voudrais bien, mais ça va pas du tout avec l'équipe. Bon, on va le prendre juste pour le fun, hein, écoute. Marcelo, Super League, Premier League, Jorgensen. Bon, je suis un petit peu déçu par l'attaque, hein. Bon, Arnautovic est pas mal. Diego Jota. Bon, c'est une première draft SBC. Ah oui, on peut faire des SBC comme sur FIFA 19. Ah, et centre collectif. 183 de squad rating. C'est pas mal. On a une attaque à 81, c'est pas énorme. Milieu 85 et défense 84, hein, quand même. J'ai déjà fait pas mal de drafts sur cette application depuis qu'elle est sortie. Donc on aura plein de packs à ouvrir en espérant toucher du lourd, mon cher Quentin. Et ouais. Avec bientôt l'arrivée de Red Dead Redemption, on va pouvoir vous proposer du gameplay. Ça part très mal, une défaite 2-0. Oh là là, mais c'est une draft catastrophique. Aïe, aïe, aïe. 3-1 pour un premier match. Bien fait niquer. Pardon de l'expression, mais bon. Bon, on aura un pack à ouvrir. Alors, qui c'est qui va gagner la compétition? Ça joue entre Chelsea et Tottenham, mais c'est une victoire de Tottenham 1-0. Bon, c'était pas. C'est pas une draft qui restera dans les annales, c'est pas une draft qu'on va retenir. Allez, on va ouvrir le Golden Pack. Le Silver Pack, pardon. Et Everton, ok. Ok, bah rien de spécial. Bazower, oh, c'est une petite carte sympa, mais après, rien d'intéressant. On a quand même 8 packs or normaux à ouvrir. Alors attention. Oh, Louis. Bédors, Samedov, Rongier, Campbell, Vertu. C'est pas mal. On a quand même. Un joueur rare et après on a 8 joueurs non rares. Allez, on a encore 7 packs gold normaux à ouvrir avec un joueur rare, pas mal. Hut, ok, c'est pas énorme, ça passe. Hilton, 40 ans, il joue toujours au foot, il est toujours à Montpellier. Allez, j'espère qu'on va toucher du lourd. Bon, là, c'est sûrement pas sur un pack comme ça qu'on va toucher du lourd, mais il faut bien les ouvrir. Deran Lovren, 81, c'est pas mal. Liverpool, Lamela, Eric Dyer, c'est pas mal. Oziakoup aussi, du Beşiktaş, Istanbul. Des petits joueurs pas mal. Ok, Ante Rebic. Ça, c'est pas mal, ça, Ante Rebic, de l'Eintracht Francfort. C'est pas mal. Premium pack, non, on s'en occupera après. On va finir. On commence par les packs les plus pourris, si vous voulez. On va augmenter vers le. Voilà, on va faire. On va commencer par les packs moins bons ou moyens. Rezus Navas, ça va. Benjamin Da Silva du Stade Rennais, ça va aussi. Allez, Golden Pack. Ok. Julian Brandt. Il n'a pas une carte rare. Hein. On a André Correa de l'Atletico, c'est pas mal. Il fait un beau sourire, mais enfin, il a perdu en note hein, par rapport à FIFA 18. Allez, avant-dernier pack or. C'est sûrement pas là qu'on va toucher du lourd. Mais oh, un petit Moses. Enfin, il avait 82 sur le précédent FIFA. Hein. Non, je crois qu'il avait 82 sur le mode Coupe du Monde de FIFA 18. Là, il s'est pris un 78 hein, quand même, ça fait mal. Wagner Love, un ancien de Monaco qui est parti au Beşiktaş, d'accord. Allez, le dernier pack or. Pourquoi pas un bon petit joueur de Ligue 1. Ok, David Lopez. Rien de... Allez, premium pack. Oh, ça sent l'animation. Pas d'animation finalement. Oh, Horn 83, ça va. Ça passe. Diego Lopez, c'est mon gardien numéro 2 dans ma carrière avec les Girondins de Bordeaux sur FIFA 19. J'aime bien ce joueur. Un Benedetto, Benevento, MDR. Premium Gold Pack, allez. C'est parti. Oh, encore un joueur non rare et ça va être Granit Xhaka d'Arsenal qu'on a eu tout à l'heure dans la draft. On n'a pas réussi à le mettre dans le. Oh! Carte Ligue des Champions! Carte Ligue des Champions, les amis! Oh! Ça, c'est pas mal, ça. Ma première carte Ligue des Champions sur ce jeu. Fecha, ouais, c'est un petit peu dur à prononcer.
maintenant, la Ligue des Champions fait partie de FIFA. Hein. Pas mal. Hein. Après, ouais, on peut voir qu'il n'est pas très bon en vitesse, pas très bon en dribble. Par contre, il est bon en physique, il est bon en défense. Shoot 58, pas terrible. En passe 67, ouais, encore peu mieux faire. Ça va, c'est pas une carte dégueulasse. Rare player pack, ok. Déjà, on commence à aller dans les packs plus intéressants. Attention, oh, Gonzalo Guedes qui a été... qui a quitté l'Inter. Pas de bêtises. Non, je crois qu'il était à Valence. Enfin, il a été prêté par Valence à l'Inter. Et là, il a été, je crois, prêté, ou même, je crois, peut-être acheté par la Juve. Joao Cancelo. Allez, on espère toucher du lourd maintenant. On commence à aller dans les packs les plus intéressants. Nacho Fernandez 83. C'est pas mal. Oh, Lisandro Lopez. Ben, il y a deux joueurs qui me font vraiment plaisir dans ce pack. C'est Lisandro Lopez, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Très intéressant. Et Alexandre Pato, que j'ai recruté dans ma carrière avec les Girondins de Porto, qui a joué, je crois, avec Zlatan et Pirlo, hein, à l'AC Milan. Hein. Il me semble. Hein. Rare player pack, il reste encore 4. Allez, on espère toucher un bon joueur. Ah, pour l'instant, on a du mal à dépasser les 83. Hein. Je crois que, ouais, Felipe, 83, encore une fois. On a du mal à passer les 83. Je crois que notre meilleur joueur, ouais, c'est 83. Hein. On n'a pas fait 84 encore. Piatti, 80, ok. Rare player pack, encore 3 à ouvrir. Pour l'instant, c'est pas folichon. Hein. Oh, David. Deux cartes Ligue des Champions de Liverpool. Adam Lallana, 82. Et James Milner, capitaine de Liverpool. Ah non, c'est Jordan Henderson. Mais James Milner, joueur très intéressant. 82 de général. Carte Ligue des Champions. Putain, mais c'est un gros pack. Avec Altidore qui joue à Toronto. Cornelius qui est prêté par l'Atalanta Bergame au Girondins de Bordeaux. Et Valbuena de Fenerbahce. Oh, ça c'est un beau pack. Là, je dis oui. Là, c'est un pack plutôt bon. Même s'il y en a eu des mieux. Oh, voilà. Animation. Animation, la première animation depuis longtemps. Mais ce sera pas un très bon joueur, malheureusement. Sobiech. Oh, petite carte Ligue des Champions avec Bitancourt. D'accord, le nom un petit peu malaisant. Bitancourt, bah, j'aimerais pas m'appeler comme ça. Ce serait encore Bitancourt, ça va, mais Bitancourt, c'est un petit peu malaisant. Bref, j'attends la passons, fermons la parenthèse. Ouais, fermons la parenthèse. Donc, Timo Kerrer, donc, qui a été recruté par le PSG. Donc, on a cette petite carte boost qui est plutôt pas mal. Le petit Pulisic du Borussia Dortmund. Pavard, grosse frappe de bâtard. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Didavi. C'est pas mal ça, c'est un petit pack. Allez, dernier pack. Allez, pour l'instant, le meilleur joueur c'est 84. On a quand même eu déjà 3 cartes Ligue des Champions. Kingsley Coman 83, c'est pas mal. C'est pas mal avec le petit bout de bouse. Bout de bouse. Là aussi, c'est un nom à la con, mais au moins c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Kesuvi Honda qui joue à Melbourne Victory en Australie. Je sais pas ce qu'il est foutu. Je sais pas ce qu'il est parti là-bas, lui. Hein. Là-bas. Avant, il jouait à. C'est-à-dire ça va être automatiquement des joueurs qui vont avoir plus de 81. Enfin, pas tous, hein. Oh, piqué 87. Oh, animation, mon ça, meilleur joueur. Carte. Ça, c'est une très bonne carte. Là, je dis oui parce que là, on passe de 84 à 87. Piqué, ça fait quand même plaisir. Donc, vous avez vu, regardez, c'est que des joueurs au-dessus de 81. Regardez Pastore, l'un de mes milieux de terrain préférés. 84 de dribble. 83 de passe, 75 de shoot, de frappe en gros. Pastore 82, il joue à Paris avant. Hein. Pastore, ça fait plaisir. Hein. On a le petit Hulk aussi. On en entend plutôt pas. On en entend plus trop parler. Je vais y arriver. Qui a quitté le Zenit Saint-Pétersbourg pour le eBay Fortune en Chine. On a Alan qui joue à Naples, Fred qui joue à Manchester United, Lucas Leva qui joue à la Lazio, William José, Real Sociedad, Draxler, PSG. Putain, ça c'est pas mal. Hein. Et le petit. Et les gars, encore 8 packs comme ça, des joueurs au-dessus de 80, on peut avoir une légende ou un très très gros joueur. Pourquoi pas mon joueur préféré, Zlatan, qui a marqué ce week-end. Attention,
Oh, Falcao 85. Bam. Ça, c'est un bon joueur, ça. Falcao 85, j'adore ce joueur. Ah, là, Valbuena, on l'a déjà eu. Ziyech 82 et Nacho Fernandez 84. C'était en 83, c'était pas une carte spéciale, c'était une carte spéciale Ligue des Champions. T'imagines Falcao en carte Ligue des Champions, ça doit être 86 ou 87, hein, ça doit faire mal. Hein. Rafinha, Deulofeu, Resselingard, Kondogbia. Oh là là, putain, mais c'est pas qu'ils font plaisir. Hein. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez à propos de Zlatan. Il voudrait peut-être, enfin déjà Milan, il voudrait que Zlatan retourne à l'AC Milan. Ça serait énorme. Moi, j'adorerais. Attention, ouais. Oh, Stéphane De Vrij. Oh, deux cartes. Jimi Hendrix. C'est un guitariste. Vos grands-mères, les guitaristes. Ils sont tristes. Voilà, c'était nul. C'est moi, Médéni, voilà. Vous connaissez sûrement Jimi Hendrix. Non, en vrai, il s'appelle pas Jimi Hendrix, mais Jimi Hendrix, c'est un guitariste. Ok, bon. Ok, ta mère. Petite dédicace à Le Renoir. Ok, on a un petit Raphaël. Et on a le petit Ronny Lopez de Monaco. En carte Ligue des Champions, ça c'est beau. Bernard Deschi, Stones. Jean-Michel Seri qui a quitté Nice pour Fulham. Pas mal. Witzel. Et Pepe Reina. Tu vois, ça c'est des packs qui font plaisir. Même si t'as une carte à 78, certes c'est en dessous de 80, mais c'est quand même une carte Ligue des Champions, quoi. Tu peux faire de beaux trucs avec ça. Attention! Ah putain, j'ai cru un Diego Godin. Non, c'est Sébastien Coates du Sporting Portugal, uruguayen. Ok, Kondogbia, on l'a encore. Barlos, on l'a encore. Ramsey, c'est pas mal. Skirtel aussi. Après, c'est pas un pack ouf non plus. Et il en reste encore 5 à ouvrir. Vous rendez compte? J'ai tellement déjà fait de draft. Enfin, j'en ai pas fait énormément, mais comme j'ai eu de bons résultats, eh bien, j'ai touché de bons packs à ouvrir. Et là, on vient de toucher Robben. J'aurais dû gueuler! Mais c'est Robben, wesh. Robben 85, hein. Robben 88 de dribble, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, à cet âge-là, 88 de dribble. Robben, il a peut-être 36-37 ans, hein. Non, peut-être qu'il a moins, hein. Peut-être qu'il a 33-34, hein. Faut pas lui en donner trop. Casillas, oh là là, cette légende. Pastore, on l'a dit tout à l'heure. Kostiani, il a pas pu faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France, parce qu'il était blessé. Gabriel Jesus, Ander Herrera. C'est pas mal, hein, Quentin, ce qu'on a là, hein. Voilà, oui. Ça rappelle des bons souvenirs et... On a des joueurs qui apparaissent là, qui font... Oh, animation! Aubameyang! Gabon Aubameyang 87! Oh là 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 là! Et vous avez vu, ça rappelle des souvenirs, parce qu'avant je disais, ah, 87! Avec ma petite voix, et ben depuis j'ai mué. C'est plus pareil maintenant quand on gueule sur les animations. Mais Aubameyang 87, ça... Oh, Ousmane Dembélé, ramenez la coupe à la maison, ça c'est fait. Putain, mais ouais, mais mon gars, ça c'est un pack qui fait pèse, quoi. Joe Mario, il a que 81, certes, c'est une carte hors non rare, mais. Pff, c'est un beau pack, hein. David Villa, le mec, il a peut-être 35, 36 ans, mais même peut-être 37. Il a encore 82 de général, hein. 83 en frappe. Putain, mais waouh, Strootman OM, Aubameyang, Miranda. Et ça, franchement, c'est un pack qui fait plaise, quoi. Et on a encore plein de packs à ouvrir, hein. Plein de packs spéciaux. Allez, carte, ok, pas d'animation. Oh, Thomas Lemar 83, lui aussi faisait partie du groupe de l'équipe de France. Pendant la Coupe du Monde, Gelson Martins. Et une carte Ligue des Champions avec Jardel, défenseur central du Benfica, 83. Et oui, depuis que la Ligue des Champions est sur FIFA maintenant, ça fait beaucoup plus de cartes encore à découvrir. Et à stocker. Oh, attention, Mandzukic! Oh, 84, j'allais dire 85, mais 84, Mandzukic. Ouais, c'est bien ça. Oh, un petit défenseur central à 81, Vogt, je connais pas trop, mais en tout cas, il joue à Fonheim. Ça a l'air d'être un plutôt bon défenseur. Perotti 81, Raul Garcia, pas mal. Oscar 82 du eBay China Fortune. Consingli, ok, le gardien de Sassuolo. Kevin Volland aussi du Bayer Leverkusen. Fait beaucoup de noms de joueurs à prononcer. Allez, pack. Ah, là, on aura pas du très très lourd. Oh, on aura quand même du Stefan Savic. 83, on a du Tarasov 76, ça par contre c'est pas ouf, même si c'est une carte Ligue des Champions. Jamie Vardy, Emil Forsberg, Mustafi, Olivier Giroud, qui n'a pas marqué un but pendant la Coupe du Monde, mais qui a marqué dernièrement avec l'équipe de France. Android Pack, alors ça c'est tout nouveau, avant ça y était pas. Android Pack, on en a 3 à ouvrir. Android Pack, est-ce que ça va nous porter de la chance? Animation! Carte boost! Gardien! Ah, Zieler! Ok, ça va. Je pensais que ce serait un petit peu plus au-dessus.
Mais Zieler 82 en... Ouais, Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Petit hommage à Johnny, voilà, Gabriel. Ok, bon, c'est pas ouf. Lalana, on l'a eu en carte Ligue des Champions 82. Eh ben, je le préfère vraiment en carte Ligue des Champions 82. Parce qu'en carte, en carte 81, en plus, il est hors non rare. Ça, c'est une carte hors non rare, ça, c'est une carte rare. Ça se voit par la couleur, hein. Déjà, elles sont bien plus jolies comme ça. Oh, Kipembe, Maestro, Kipembe, Kipembe. Eh, ça, c'est pas mal, ça. Diego Costa, 85. Là aussi, c'est un beau pack. Allez, on a deux packs Android à ouvrir. C'est qui? Bertrand Traoré de l'OL, 82. Bertrand Traoré, franchement, il fait du sale en ce moment. Oh, oh, mon joueur préféré. Mon joueur préféré. Oh, oh, putain de merde. Cette vidéo qui part totalement en steak. Zlatan Ibrahimovic. Eh ouais, mon gars, mon joueur préféré, il est là, mon pote. Il est là. Oh, putain, la capture d'écran, là. Mec, c'est Zlatan, quoi. Je veux dire, putain, il a tellement fait du sale à chaque match, putain. Gamero, Gamero. Pas mal, mon père, il aime bien, en plus, Gamero. En plus, il a marqué avec Valence, dernièrement. Eric, d'ailleurs, 80 Ligue des Champions. Putain, bon, Ibra, on pourra pas avoir carte Ligue des Champions. À Milan, pourquoi pas. Toprak, Guilano, je sais même pas dans quel club il joue, je reconnais même pas le logo. En tout cas, je crois qu'il a, ouais, il a quitté Fenerbahçe. Marco Asensio, 85, ça fait mal. Et Ibra, et Ibra, et Ibra. Bon, sa note, Ibra. Sa note de vitesse, par contre, 59, c'est un peu pourri, mais 86 en tir et tout, mais le mec, pouah, c'est Ibra, quoi. C'est Ibra, j'ai touché Ibra, les gars. Merci Android Pack, quoi. Android Pack, ça n'existait pas avant, mais ça m'a rapporté Ibra, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, on aura fait couvrir des packs dans cette vidéo. Animation, légende, légende, c'est dingue, c'est dingue, c'est une légende, les gars. Je gueule comme un gros con, mais c'est pas grave, c'est une légende. Oh là là, l'animation, putain, mais c'est tellement bien foutu. Oh, comment le jeu il progresse d'année en année. Agui, d'accord, je connais même pas, mais c'est une légende roumanaise apparemment. Waouh, Toby Alderweireld 85. Mais putain, mais on a une chatte, mon gars, Quentin, là. Ça te rappelle pas les anciens épisodes, là, où on gueulait comme des cons à chaque fois qu'on avait une animation? Ah, c'est... Carlos Bacca, Bastedost. On se détend. On relâche la pression, les amis. Mais comment c'est épique. Allez, il nous reste encore deux packs. Gold Elite Pack. Là, on peut toucher du lourd. C'est pour ça qu'on va faire un nose pack. On ouvre avec le nez. Nose pack. Nose pack, les gars. Ça nous rapporte pas du lourd. Ah, Memphis! 88 de vitesse, 83 dribble. Regardez ses stats. Ses stats, elles sont monstrueuses. Memphis, quoi, les gars. Oh, c'est chaud. Ah ouais, non, mais... Il faut faire la mise à jour, les gars. Vous êtes en retard. Petit bug. Spécial pack. Là, il y a le moyen d'avoir une carte de champion. Un joueur à péter, mais vraiment. Allez, nos pack. Nos pack, les gars. Ah, c'est quoi cette carte d'animation? Oh là là, la carte Quincy Promes 83. Waouh, c'est magique. Regardez, les gars, on a 109 crédits. Hein. On a 109 crédits, avec ça, on peut faire du sale. Pablo Fornal, je l'ai dans mon équipe Ultimate Team. Je l'ai eu ce matin. Rezus Corona, Ligue des Champions. Oh, Alexis Sanchez. Oh, j'avais pas vu. Oh, qu'est-ce que tu fais, le mec? Il arrive comme ça, coucou, tu veux voir ma... Et voilà, c'est un... Wouah, là, je me suis fait... Wouah, ça, c'est un pack. Tu sais, là, t'as Quincy Promesse, t'as une petite carte à 83, bien stylée et tout. Mais là, juste devant, qu'est-ce que t'as? Alexis Sanchez, 87. 89 de dribble. Et Marco Reus, 85, capitaine du Dortmund. Putain, ça pique, hein, franchement. En plus, on a 109 crédits, quoi. 109 crédits. Hunter Draft. Putain de merde. Allez, les gars, on va se faire une autre draft, hein, et après on se laissera là. Ça fait déjà 24 minutes. Putain, mais elle est belle, hein, cette vidéo. Quentin, tu me portes chance. Quentin, qu'est-ce que tu me portes chance aujourd'hui? Ça, c'est chouette, ça. On va faire un petit 4-2-2-2. Ça peut être sympa. Alors, moi, je te dis, je vois bien, pourquoi pas, Italie, Mandzukic. Ok. Ensuite. Dries Mertens. Oh, Ronaldo. Ah bah ouais, oh, Ronaldo, voilà. Mec. Ronaldo, Mandzukic, deux joueurs de la Juve dans la même équipe. Là, on va faire du sale. Saponara, 78. Bon, c'est pas énorme, mais
C'est toujours un joueur de Serie A qui va nous aider. Julien Ferré, c'était l'ancien capitaine du Stade Malherbe de Caen. Lui, c'est barré, mon petit. Waouh, Marek Hamšík, 87. Oh, yo, yo. Putain, mais on a touché de ses packs, là, avec Zlatan. Oh, Pastore, mais oui, Pastore, moi, l'un de mes milieux de terrain préférés, putain. Moi, j'ai fait le bon choix, là, de partir sur une draft italienne. Otavio, d'accord. Bon, pour l'instant, les remplaçants, c'est pas énorme, hein. Vinicius Junior du Real Madrid. Petunia. Je suis le Petunia. Waouh. Fawzi Goulam, frère. Naples. Ah oui, en plus, il va aller avec Hamšík parce qu'ils jouent tous les deux à Naples. Là, on n'a pas de joueur italien. On va prendre Sidibé, regardez. Ça crée une liaison verte. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit joueur là? Oh, ben voilà, petit Cancelo de la Juve. 84. Carte spéciale. Là, on a un petit Moussacho 81. Ah, c'est Milan. Putain, mais ça marche. Hein. On va avoir 100% de collectif d'un coup, les gars. Marcano qui joue à la Roma. Certes, il est espagnol, mais comme il joue dans un club italien, eh ben, ça correspond avec la draft. Vous avez compris le principe, je pense. Là, on n'a pas de gardien qui joue en Italie, mais on a un gardien italien. Ça rattrape toujours le truc. Mais comme on n'a pas de défenseur central italien, il faut qu'on trouve un gars de Serie A. Ben voilà, Pepe Reina, Milan AC. En plus, il ira bien avec Moussacho parce qu'il joue au Milan AC, 99 de collectif. Faut juste qu'on enlève Aoulou là au milieu de terrain pour mettre un gars qui joue en Italie et on aura 100% de collectif. Donc on n'aura pas réussi du premier coup véritablement, mais on va sûrement y arriver. Oh, Insigne 88. Après, il y avait Rabiot, mais on peut pas tout prendre. Pourquoi Insigne, il va pas là? T'es en train de me dire que Insigne, ça marche pas. Putain, Insigne 88, je peux même pas le faire jouer, frère. En fait, tu veux que je le mette où, Insigne, quoi? Il correspond à aucun poste? Au pire, je le mets pas. Hein. Après, c'est vrai que 88, ça fait un beau gâchis, hein, quand même. On va mettre un joueur qui a 88. Lucas Biglia, ben voilà, on l'a trouvé, notre remplaçant. Voilà, maintenant, on a 100% de collectif. Oh, c'est bon, j'ai réussi à mettre Insigne. 100% de collectif. Et regardez, les gars, on a plein de joueurs de Naples. Hein. Goulam, Hamšík, Insigne. Bon, je t'entends pas beaucoup depuis tout à l'heure, tellement je parle. Mais je sais pas ce que t'en penses, là, mais c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Regarde, Johnny Pelé qui est parti en Chine. Franchement, c'est pas mal. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Complètement pété. Ouais, on va prendre Mouto qui joue à Newcastle. Et regardez cette équipe, 83 notes, 100% de collectif. Normalement, c'est du 183 squad rating. Voilà, 183, c'est bien. Oh là là, 90 d'attaque, 85 de milieu, 82 de défense. Dommage qu'on n'ait pas un de meilleur défenseur. Mais en tout cas, attaque milieu, 90-85, on peut bien faire mieux. Parce que là, franchement, c'est... Ah, le FC Nantes. Avec l'équipe qu'on a. Allez, Insigne. Oh, Nagatomo qui égalise. Avec Insigne, Ronaldo, Inan. Et ça fait 4-2. Putain, Insigne. Tu vois, je te l'avais dit. Il fallait que je mette Insigne. J'aurais mis Insigne remplaçant. Il n'aurait peut-être pas marqué. Et on aurait peut-être perdu. Donc, là, on est bien. Là, on se met bien. Ok, on est qualifié pour les quarts de finale. Face à West Ham, oh bah là on devrait leur passer un savon, là, c'est pas possible. Putain, mi-temps, 0-0. Ah, non, quand même, juste avant la mi-temps, Mandzukic. Pastore, Mandzukic le doublé, et ça va faire 3-0. On est en demi-finale, hop, on fait du sale, tac, 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 on passe. On est en train de gagner plein de crédits, on commence à être riche. Ouh là, attention, Manchester United, là ça va pas être de la rigolade. Oh, Rashford qui marque, ah putain, ça sent le moisi. Hamšík, Lingard, ah on perd 2-1, allez, 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 faut égaliser. Oui, Insigne, Pastore, oui. Oh, putain, la petite remontada là, comment c'était beau, on perdait 2-1, on gagne 3-2. Ça, c'est magnifique ça. Ça t'envoie, oh, en plus on joue contre Séville, normalement on devrait les battre. Normalement, allez, Hamšík à la 18ème. Allez, mi-temps 1-0, faut qu'on tienne ce score, faut pas... Ah. Oh, carton rouge pour les adversaires, ah non, ça va finir 1-0. Et voilà les gars, on a gagné la compète, on a fait du sale, on a fait une putain d'équipe de malades et voilà, on a fait du sale. Oh putain les gars, waouh, c'est quoi cette équipe de malades?
81 et on a des tote packs à 75 000. Ouais, il me reste plus que 56 000, les gars. Il me reste plus que 56 000 crédits. On va ouvrir ce pack. C'est parti. Allez. Boost animation. C'est qui ce mec? Mais c'est une grosse merde. Samata. Voilà. Tout ça pour ça, quoi. Ouais, je veux dire. Ah non. Quoique. Ah non. Ah non. Daily Alley 84, mon petit. Daily Alley 84. Allez, ça répare un petit peu le truc avec Niarbi 82. Rougani de la Juve 4-1-3, la petite carte. Ligue des Champions avec Lamela, avec Benidier. Bon, Lamela, on l'a déjà eu, mais Benidier, on l'a pas eu. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a 4 packs gratos, là, c'est ça? Oh, 4 packs gratos comme ça, là. Ouah! C'est quoi ce truc? L'animation, ma voix qui est partie en couille, je le sais. Ouah, ouah, animation. Frances, Tottenham, Lloris! Lloris! Oh, 88! Lloris, les mecs, mais on a une putain de chatte! Putain de chatte aujourd'hui pour cet épisode 1. Eh ben, dimanche prochain, si Quentin tu reviens, on fera l'épisode 2. Parce que là, franchement, c'est... Oh, le petit Nani 80 du Sporting. Bah, il commence à se faire vieux. Pellegrini en carte boost 82, Antonio Valencia. Ouah, ça, c'est un beau pack, ça. Il nous reste 4 packs de Golden League. Et là, on a 2 packs à plus de 80 de notes. Bordonnante, je vais Bordonnante. Oh, animation! Et c'est Alvaro. Alvaro. Oh putain, Ederson 86. Gardien de City. Les gars, on a une chatte. Banenga 83. Putain. Oh, Daniel Vaz 82. Wow. Kim Campbell 82. Rashford 81. Felipe Anderson 82. Qui a quitté donc la Lazio pour West Ham. Et c'est parti. Pas d'animation. Gardien croix. Oh, Subasic 83. Pas mal, il a fait une bonne Coupe du Monde. Oh, Guerrero. Carte Ligue des Champions 79. Christensen 82 Chelsea, Fred on l'a déjà eu, Valencia on l'a déjà eu, Forsberg on l'a déjà eu, Mustafi on l'a déjà eu, Batshuayi on l'a pas eu, et Bersalich. Donc on a encore 4 packs Gold Elite à ouvrir, après on s'en laissera là pour cette vidéo de 32 minutes. Ah non, on peut pas les ouvrir. Ah oui, on en a plus, d'accord, ouais, c'est des pièces spéciales, d'accord. Oh, on a eu une légende hein, quand même. Pour le premier épisode, on a eu une légende. Vous savez quoi? Comme on est fou, on va s'en faire un dernier. On va se faire un petit 4-5-1. Et on va faire... Et si on faisait... Espagnol. Pablo Fornals. Allez, c'est parti. On va essayer de faire une team espagnole. Alors, Luis Neto. Enfin, team espagnole. Team championnat espagnol. Oh, Lucas Hernandez! Ça, c'est chouette, ça. Champion du monde, mon frère. Ensuite, Liga Santander, Varane, qui en plus va bien s'entendre avec Hernandez, puis ils sont tous les deux français. Liga of Russia, Liga Santander, De Marcos, putain, mais les gars, waouh, c'est quoi cette équipe là? Là, on est en train de créer une putain d'équipe. On va faire du sale. Attention. Ouais, là, il n'y a aucun joueur espagnol. On va prendre Valbuena. On va voir si on peut pas le remplacer tout de suite. Une petite promesse qu'on a eu tout à l'heure. Ah bah attends, Thomas Lemar, mec, il joue à l'Atletico, voilà. J'aurais bien aimé prendre Promesse, mais comme il joue sur le côté droit, enfin, j'aurais pu le mettre à gauche, mais je préfère prendre Lemar. On a le petit Vasquez qui joue à Séville. Oh là, on va avoir un joueur pas terrible. Ah, mais Lo Celso, c'est marrant, tout à l'heure, on a eu Lo Celso en pack, il avait le logo du PSG, et là, il a le logo du Real Betis. Donc, le bug a dû être corrigé. Donc, on a bien Lo Celso au Betis Séville. Donc là, on n'a pas de joueur. Ah si, on a Rodri qui joue à l'Atletico. C'est pas énorme. Oh, Ronaldo! Oh, putain de merde! Ma voix qui est partie en couille. Van Nistelrooy. Alors ça, c'était une légende des années 90. 90-2000, non? 90-2000, un truc comme ça. J'aurais bien aimé prendre Ben Yedder parce qu'il joue en Espagne, parce qu'il a 84 avec sa carte boost. Mais mec, légende, quoi. Van Nistelrooy 90, ouais. Quoi. Putain, ouais. Oh là là, mais ça pique, quoi. Franchement, les gars, je sais pas. J'espère que ça vous plaît parce que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Avec Quentin à côté de moi, ça fait vraiment super plaisir. Donc là, on va vite terminer ça, étant donné que collectif, hein, on n'a pas de souci à te faire. Oh là là. Son frère, non?
Ou alors c'est carrément le fils de Zidane. Parce que je crois que... Non, il n'y a pas un gars qui s'appelle Hernandez. Hernandez ou Fernandez. Un fils Zidane. Je sais pas, je confonds un petit peu. Oh, Lucas Vasquez, c'est pas mal. On peut faire un petit Pablo Fornals quand même. Vu sa carte. Après, on verra bien. Peut-être Lucas Vasquez. On verra. Peut-être que je changerai. Putain, mais on a des bons joueurs, hein. Putain, franchement, tu me portes chance aujourd'hui, Quentin. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ce premier épisode, donc, sur ce jeu? Oh, c'est déjà pas mal avec une petite victoire. Ouais, une victoire et plein de packs. Et surtout, ouais, pas mal de packs. Pas mal de packs avec des gros joueurs. Zlatan, quoi. On a eu Zlatan, hein. Oh, 90 d'attaque, 82 de milieu, 85 de défense. Alors là, si on prend des buts, là, c'est qu'il y a un petit problème dans notre défense, là. Hein. Putain, ça suit au long, en plus, c'est pas une grosse équipe. Putain, 36 minutes, les gars, il va falloir qu'on se laisse parce que là, c'est très long. Ça commence à devenir une vidéo assez longue. Enfin, sinon, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Oh, Van Nistelrooy qui marque. Allez, 2-0. J'espère qu'on va aller au moins en finale. Comme ça nous fera d'autres bons packs à ouvrir. À la prochaine fois, on commencera par deux petites drafts. Histoire d'avoir des petites packs en réserve. Et peut-être que dans la semaine prochaine, je ferai une draft tout seul. Une vidéo en draft tout seul. Ou alors peut-être que je ferai carrément pas de vidéo. Mais je ferai une draft tout seul pour gagner des packs. Pour que ça fasse plein de packs à ouvrir. Parce que comme vous avez pu constater, quand j'ai démarré cette vidéo, j'avais déjà plein de packs à ouvrir que je n'avais pas. Ouais, je m'en étais pas encore occupé. Donc victoire de 1 contre City. On a quand même pris 2 cartons rouges. On a joué à 9 contre 11. On a réussi à gagner. On est en finale contre Valence. Si on gagne, là on peut avoir un pack de malades. Donc maintenant il y a des nouveautés. Si tu gagnes la finale, t'as des espèces de petits jetons qui te font gagner des packs à cheater. Lemar, Van Nistelrooy, Rodri, 3-0. Allez, nickel. Et ben voilà, regardez, on va avoir le petit jeton cheater. En plus on gagne des crédits. Ah, pas cette fois. Pas cette fois, ben pourquoi? Ça, je voudrais bien savoir. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va ouvrir nos packs. Ok, on a trois trucs au-dessus de 80. Ce sera nos trois derniers packs. On commence par Horn 83. On l'a déjà eu tout à l'heure. On a un petit Pereira, Ligue des Champions. Pedro 82 de Chelsea. Petrosic 82 qui s'est pris une claque dans la gueule. Hein. Sa note a vraiment baissé. En même temps, il vieillit. Allez, avant-dernier pack. Nos packs, les amis. J'espère qu'on aura un bon petit joueur. De Rossi, 83, capitaine de la Roma. Oh, petit Ricardo Pereira de Leicester. Fellaini, carte Ligue des Champions. C'est tellement beau. À voir cette petite carte. Kim Campbell, on l'a déjà eu. Gérard Moreno, non. Allez, dernier pack, les gars. Après, on se laisse. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et j'espère vraiment finir en beauté. Le Nos Pack. Le Nos Pack de la chance, peut-être. Ah non, pas trop, non. 82, ah, Jarnstein, encore, ça va, ouais, Jarnstein, gardien norvégien, João Mario, Matip, Gamero, putain, oh, les gars, dans ce pack, sur les 9 joueurs, il y en a 8 qu'on a déjà eu, Vasquez, Gamero, Guedes, Raphaël, Mustafi, Marlos, Matip, tout ça, on les a déjà eu, à part Jarnstein. Bon, on finit peut-être pas avec du meilleur, mais une victoire. Oui, deux victoires. Et puis, voilà, là, on peut faire... on pourra même faire des drafts en ligne. On peut faire des drafts en multijoueur. Et là, donc voilà, un petit peu... Ah non, ça, c'est pas les joueurs qu'on a eu. Je voudrais bien voir les... Ah, squad builder. On peut faire un squad builder. Voilà, voilà nos meilleurs joueurs. Voilà nos meilleurs joueurs. Alors, il n'y a pas les légendes. Comment ça se fait? Voilà, notre meilleur joueur, c'est Aubameyang. Mais non, mais il n'y a pas Piqué. Où est-ce qu'il est, Piqué? Ah ouais, mais d'accord, mais ça me met que les attaquants aussi. Ah ben voilà. Là, on a les meilleurs joueurs. Donc, on va faire à partir de 83. Horn, Rafinha, Rafinha, il a 82. Gabriel Jesus, Jardel, Kimpembe, Strootman, Depay, Felipe, Fecha, Davinson Sanchez, Robben, Falcao, Dele Alli, Royce, Diego Costa, Miranda, Asensio, Zlatan, mon joueur préféré. Et là, donc, le top 6. Ederson, 5e, Piqué 87. 4e, Aubameyang 87. 3e, Alexis Sanchez 87. 2e, Hugo Lloris 88. Et 1er, Agui 89. Légende, roumaine. J'ai commencé un squad builder sans trop le vouloir.
Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Le mot de la fin pour Quentin. Est-ce que ça t'a plu, franchement? Oh oui, ça m'a bien plu, ouais. Les petites animations, ça rappelle des souvenirs. Les animations, ouais. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, les gars. L'intro était un petit peu pété au début. On aura poussé des bons petits coups de gueule. Des coups de gueule positifs, hein, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt. C'était Boto07 avec Quentin. J'espère que ça vous aura plu. Peace. Ciao, ciao. Peace. Le mec qui ne sait pas quoi dire. Voilà, encore un fail. Bon, allez, bon. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao.